Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur laquelle t'as joué Pokémon et on va ouvrir ensemble ce coffret, ce très très beau coffret à la Kazam V. Alors, je sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Ce que je peux voir, c'est que déjà le visu. Alors, c'est un coffret qui est complètement plastifié. De visu, il y a une carte promo qui est mise à l'envers à l'intérieur du coffret. Ça, c'est marrant, ça, c'est original. La carte promo a été rangée à l'envers. Il y a une carte jumbo. Une très très belle carte de la Kazam V. Il doit y avoir 4 boosters aussi à l'intérieur. J'arrive pas trop à voir. Je pense qu'il doit y avoir du soleil et lune. Ah non, voltage éclatant. Non, non, épée et bouclier. Donc c'est un coffret qui est plutôt récent. Qu'est-ce qu'ils nous disent derrière? Oui, bah une carte promo brillante à la Kazam V, une carte grand format, 4 boosters, une carte à code. Enfin, du classique, mais on va ouvrir ce coffret ensemble afin de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, ce qui est bien, c'est qu'au moins celui-là, il est plastifié. Donc, au moins, il n'y a pas de mauvaise surprise que le coffret soit arrivé déjà ouvert. Voilà. Hop. Oula. Voilà. Parti. Alors, c'est un nouveau très beau coffret. Alors, une nouvelle fois, ils ont allié les couleurs vertes, les couleurs violettes, jaunes. Et c'est vrai que ça rend des cartes magnifiques. Alors, maintenant que j'ai enlevé le plastique, j'ouvre le coffret. C'est vrai que les cartes sont très très belles. Moi, j'aime beaucoup ces cartes, les cartes qui sont récentes, parce que ça fait des reflets vraiment incroyables. Alors là, la carte jumbo, elle est incroyable. Bon, je vais enlever ça. La carte, c'est marrant que la carte promo ait été mise à l'envers. Hop, la carte promo à la Kazam V. Et on va la joindre avec la carte jumbo qui est ici. Elles sont magnifiques, hein, franchement. Oh là 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 là! Deux très 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 belles cartes. C'est super. On va les laisser là. Hop, qu'est-ce qu'on a? Alors ici on a donc deux boosters. Et on a aussi deux autres boosters ici. Plus la carte du GCC du jeu en ligne. On va laisser là-bas. Et donc on a quatre boosters. Alors, épée bouclier, cache des rebelles, voltage éclatant. Quatre boosters épée. Ah non, il y a un ultra prisme. Soleil et lune. Et celle, je sais plus combien. Ok, ben on va commencer par le plus ancien, Ultra Prisme. On va voir ce qu'il y a dedans. Allez, c'est parti. Alors, j'aime bien ouvrir ces coffrets. Vraiment, ces coffrets Pokémon. Pour la beauté des cartes. Et puis, parfois, on est super surpris à des cartes de fou. Il y a des cartes de fou à l'intérieur. C'est un peu. C'est ouais, c'est la surprise. Allez, la carte énergie en premier. On va l'enlever. Et on a Kranidos avec le petit logo Ultra Prisme ici. Ok, c'est les peu communes. Donc les trois peu communes, Tanguy, un dresseur. Yann Mega. Tiplouf, maintenant on a les communes. Rapion. J'essaie de. Moufouette. Une commune, Manglouton. Ok. Qu'est-ce que j'ai? Magmar. Ok. Et Rampfeu, un dresseur reverse. Ah, il est super, super belle celle-là. Je ne suis pas sûr de l'avoir. Ah, c'est top, elle est super belle, vraiment. Et en rare, on a une holo. Une holo. Alors, on voit peut-être pas bien, mais il y a des traits holographiques en fait. Comme ça, en diagonale. C'est Bastiodon, une rare holographique. Donc super, un booster très intéressant. Allez, on va enchaîner. Donc là, on a épée et bouclier. Donc c'est plus récent, Clash des Rebelles. Après, ça arrive dans ces coffrets qu'ils mettent des cartes plus anciennes, des boosters plus anciens pour. Je dirais, je pense liquider les stocks parce qu'il doit leur rester certains stocks de certaines familles. Voilà. Donc la carte énergie. Bon, ça, je vais y mettre plus ici. On va pas mélanger parce que là, on a une nouvelle famille. Donc vous avez le logo ici.
Clash des rebelles. Allez, c'est parti. Arachouti. Bon, ça va être les trois Pokémon Guido. Donc dresseur, deux dresseurs. Wagomine. Wagomine. Et après les communes Natu. Barloche. Rongourmand. Verpomme. Tritonde. Et on a Fourbelin. Alors, les cartes noires, reverse, on les voit pas super. On se rend pas forcément bien compte. Enfin, c'est pas mes préférés, hein. Et on a Excavarène. Une rare classique. Ok, alors pour l'instant, bon, il n'y a pas eu de grosses cartes. Et il nous reste maintenant les deux boosters voltage éclatant. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. C'est parti. Hop. Allez, hop. Enfin, il n'y a pas eu grand-chose. J'ai quand même une rare holographique. Ah, Motisma Drone. Vous avez le logo ici. Hein. Volcaropode. Peu commune. Capoeira. Super. Skelenox. Commune Fampi. Terral. Aspicot. Velmer. Celle-là, j'ai eu souvent. Et Capsule Mémoire. Un nouveau dresseur. Peu commune Reverse. Ok, super. Super. Et en rare, on a attention. Hop, Métallos. Une rare normale, classique. Ok, bon, dernier booster de ce petit coffret. Allez, c'est parti. C'est le dernier des derniers, là. Allez, on enlève la carte énergie. Capoeira. Un peu commune. Médaille du héros. Énergie et arôme. Ok, énergie et arôme. Yanma, les communes. Nirondelle. Rocabot. Voltorb. Mediena. Et en reverse, Rhinolove. C'est une peu commune reverse. Une nouvelle. Je crois que j'en ai eu 3 sur 4 boosters. 3 ou 4, 4, carrément 4 sur 4. Allez, en rare, on a. Allez, on va espérer une carte sympa quand même, non? Allez, non, Terrakium. Eh ben, un peu déçu. Le coffret à la case AMV, il a rien apporté. Il n'y avait rien, juste une holo rare. Il n'y a même pas une carte ultra rare dedans. Assez dommage. Et pourtant, il était bien ficelé, bien scellé. Il n'a pas été réouvert. Bon, ben, c'est la preuve en vidéo qu'on peut parfois ne rien avoir du tout dans un coffret. On a quand même la carte jumbo, la carte promo, qui sont très très belles. Après, bon, c'est quelques cartes en plus. Bon, j'ai eu une carte holographique rare, hein. Petite précision. Et sinon, les reverse, j'ai eu plusieurs cartes peu communes reverse. Voilà, bon, ben, chou blanc pour ce coffret. Il y aura sûrement d'autres coffrets beaucoup mieux à venir. Voilà, les amis, ben, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.